grosse ambiance et grosse excitation évidemment, quelques minutes avant le coup d'envoi de cette demi-finale. On se retrouve tout de suite. Voilà, nous y sommes. Bienvenue dans cette demi-finale de Coupe du Monde au programme. Un choc entre l'Angleterre et la France. Les 22 joueuses sont en pleine concentration. Le match va bientôt commencer. J'aime bien ces moments de tension juste avant le début des grands matchs. On sent la concentration, la pression. Ça instaure un contexte favorable pour la performance. Oui, enfin, ça dépend. Ça peut aussi instaurer le stress. Là, le monde entier s'arrête pour voir ce qui va se passer. C'est une magnifique occasion pour se laisser porter et se sublimer. Je sens qu'on va assister à un match extraordinaire. Et voyons la composition de l'équipe de France. Une formation assez classique, avec ses deux ailiers de chaque côté. C'est le 4-3-3 traditionnel. Il y a du talent en Angleterre, mais ce qui manquait, ce sont les résultats et depuis un moment, on a l'impression que ça décolle enfin. Oui, la qualité des joueuses a augmenté et les résultats sont de plus en plus consistants. Là, il y a des progrès considérables sur le plan mental parce que c'était un petit peu leur principal défaut. Le point fort, on le connaît, c'est le pressing. C'est simple, si vous voulez voir comment va une équipe, regardez-la presser. Donc, pour cette équipe, tout va bien. Elle va bien, elle défend bien, elle attaque bien. C'est un véritable spectacle. Voilà, le coup d'envoi de cette première période. Tiani. En bonne position pour tirer. Ouais, ballon bien capté. Jess Carter, Nobbs. Oui, bon geste défensif, touche à suivre. Et non, le ballon est perdu là. Tiani. Et bien donné en profondeur. Excellente prise de balle. Goal, 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 goal. Le premier but du match. Cette demi-finale est lancée. Regardez, c'est une passe à la limite. Le coup d'œil comme le geste. Tout ça, c'est d'une beauté. Et derrière, le 1 contre 1, un gros boulet de canon dans le filet. Hein, histoire de se faire plaisir. C'est une bonne manière d'évacuer les tensions. Et avec cette ouverture du score, le match se débloque. Et oui, c'est une récupération. L'action se poursuit. Ah, bien joué, elle remporte son duel. Voilà le ballon sans difficulté pour Perromagnin. La récupération haute, bon pressing.
parfait ce tacle dans la surface. Tiani, progression sur l'aile. Danger pour la défense avec ce centre dans la surface. Goal, 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 goal. Et il est important ce but. Il leur permet de faire le break. Regardez, tout va très vite dans cette contre-attaque. La récupération, la passe en profondeur, c'est parfaitement bien mené. Et voilà le cabezazo, la tête qui vient conclure un mouvement très intéressant et envoyer le ballon dans le but. Et avec ce but inscrit, ça fait maintenant 2-0. Daly. Tacle maîtrisé pour récupérer le ballon. Et c'est donc une touche. Et la récupération du ballon. Allez, sur le côté pour amener le danger. La frappe pour le but peut-être. Et voilà, cette action se finit de manière assez inoffensive avec un ballon capté sans trop de problèmes. Regrettable, parce qu'à cette distance, ça doit faire but. Et voilà, un ballon perdu trop facilement sur cette passe. Allez, c'est bien joué, elle est en bonne position. Quelle occasion manquée. On attendait beaucoup mieux de sa part sur un face-à-face de ce type. Gayoro. Greenwood. Hemp. Kelly. Périsset. Gayoro. Ah, le ballon est rendu. Oh là là, la mauvaise intervention. Et on va voir maintenant ce que va faire l'arbitre. Ah, le ballon sort en touche suite à cette intervention. Un bon appel le long de la ligne de touche. Le ballon en touche. Vers ses partenaires dans la surface. Ah non, c'est récupéré par l'adversaire. Eh, bien donné ce ballon. Excellente intervention. Un corner qui est bien ajusté. Ce n'est pas bien dégagé. Du coup, il faut faire attention derrière. Ouais, bien joué. C'est un bon mouvement. Le centre vers la surface de réparation. Oh, un bout portant ! Une sacrée parade de la gardienne. Ce sont les réflexes qui ont parlé à cette distance. Ouais, c'est un corner bien joué, bien frappé. Ah, c'est une bonne situation, mais finalement, le ballon lui échappe. Jordan Nobbs, bien défendu. Katoto. Vers Gayoro maintenant. Ah, la frappe, ça part bien. Mais d'où elle vient cette frappe? De quelle planète? Mais c'est pas un tir, c'est une météorite.
C'était la distance typique pour Juninho dans les années 2000 avec une trajectoire flottante magnifique. Autant de buts en aussi peu de temps, c'est vraiment impressionnant. L'adversaire doit être déjà perdu dans sa tête. Et nous jouerons donc 2 minutes supplémentaires minimum. Périsset. Et voilà l'arbitre qui siffle à l'instant la fin des 45 premières minutes. Le coup de sifflet pour la seconde période. Voyons si la deuxième mi-temps sera plus équilibrée que la première. Ah oui, l'excellent ballon. Et c'est pas fini. Et un arrêt qui fait du bien. Voilà, une feinte avec ce corner joué en deux temps. Et le centre dans la boîte. Centre intercepté, mais méfiance parce que le danger n'est pas encore éloigné. Et le danger est éloigné. Et les Anglaises dépossédées du ballon. Intervention défensive, le ballon en touche. Sortie en touche. Elle passe son adversaire et elle continue sa course. Ça part bien. Attention, il y a danger. Et cette tête ne donne rien. Et c'est capté facilement. Dali. Ballon pour Diani. Diani, progression sur l'aile. Oh, la frappe au but. Et la barre transversale renvoie cette frappe. Cornea. C'est mal renvoyé. Attention aux conséquences derrière. Et le ballon vers la surface de réparation. Oui, joli réflexe. Le corner. Attention, méfiance avec ce centre. Et aucune question à se poser. Le ballon est renvoyé. Et pressing sur la relance. Nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre. Stanway. Et maintenant Daly. Eh oui, le tir. C'est une balle récupérée très haut sur le terrain. Ouais, le bon plongeon sur cette action. Et voilà, c'est un changement donc. Allez, bien frappé ce corner. Ah non, l'occasion était bonne, mais le ballon lui échappe. Bon pressing, très bonne récupération.
Très bonne progression, balle au pied. Et la frappe. Et le plongeon pour intercepter cette balle. C'est joué court. Le centre vers la surface. Ouh, il est manqué ce dégagement. Attention, ce n'est pas terminé. Oh, c'est contré. C'est pas très bien défendu. Et donc, il y a un coup franc pour l'adversaire. L'arbitre désigne l'endroit de la faute, mais ne met pas la main à la poche. L'avertissement verbal a été préféré au carton jaune. Voilà, le remplacement intervient. Les 20 dernières minutes de la rencontre. Le centre dans la surface, il y a du monde. Voilà qui est bien défendu, c'est bien joué. Et c'est une frappe. C'est un ballon récupéré sans aucun problème. Bien fait ça, sans faute. Ah non, quelle boulette sur cette passe. Et le ballon piqué. Et ce ballon est finalement bien capté. Et heureusement. L'erreur est bien rattrapée avec ce bel arrêt qui vient de remettre un peu d'ordre dans la défense. Jordan Nobbs. A une bonne contre-attaque peut-être. Sakina Karchaoui. Et voilà un centre bien travaillé vers la surface. Et voilà la parade avec ce réflexe de la gardienne. Oui, il était difficile cet arrêt. Il a bien anticipé. C'est magnifique ça. Le corner. Le geste est raté. L'action n'est donc pas terminée. Le ballon change de pied. Renard. Et maintenant Karchaoui. Et l'équipe reprend la possession. Le coup franc est accordé parce que l'arbitre a vu la faute. Voilà, un peu de fraîcheur avec ce remplacement. Bonne intervention défensive, aucune frayeur donc. Et le temps additionnel qui est donc de 3 minutes dans cette rencontre. À l'occasion peut-être ici. Et le but facile parce qu'il n'y avait plus personne dans la cage. On revoit la conclusion de l'action dans le but vide. On se demande où était la défense. L'écart devient vertigineux au tableau d'affichage. C'est plus qu'un match à sens unique. C'est une suprématie totale. Et c'est donc la fin du temps réglementaire devant son public. Cette sélection se qualifie pour la finale. L'équipe a su être parfaitement attentive au bon moment et imposer son rythme pendant toute cette demi-finale. L'aspect offensif est particulièrement intéressant dans la capacité à se créer des occasions.
goal, 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 goal. Et il est important ce but. Il leur... Pourtant, une sacrée parade de la gardienne. Ce sont les réflexes qui ont parlé à cette... Katoto. Vers Gayoro maintenant. Ah, la frappe, ça part bien. Pop, 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 pop. Mais d'où elle vient cette frappe? De quelle planète? Mais c'est pas... Oui, joli réflexe. Mais oui, le tir. Ouais, le bon plongeon sur cette action. Et voilà, c'est un changement donc. Et voilà un centre bien travaillé vers la surface. Et voilà la parade avec ce réflexe de la gardienne. Oui, elle était difficile cet arrêt. À l'occasion, peut-être ici. Et le but, facile, parce qu'il n'y avait plus personne dans la cage.